Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au bord du lac d'Annecy. Aujourd'hui, il y a la bise qui souffle. Un vent pas très fort, mais suffisamment pour créer des vagues. On a pourtant un ciel assez dégagé, bon, quelques nuages, mais beaucoup, beaucoup de vagues ici sur le lac d'Annecy. On n'est pas habitué à le voir comme ça, ce lac d'Annecy. Un petit peu déchaîné aujourd'hui. Alors, je fais attention quand même où je vais parce qu'il y a pas mal de vagues et pas mal d'eau qui gicle un petit peu partout. Voilà, donc je suis à la plage de Talloir ici. C'est assez impressionnant parce que, regardez, c'est pas le lac d'Annecy. On ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas ce lac d'Annecy. Comme on a pu voir ce calme qui est magnifique, bleu, très très calme. Regardez aujourd'hui, on a énormément de vagues. Alors, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous entendez bien le micro. On va aller se promener un petit peu ici. Il y a beaucoup, beaucoup de vent sur la plage. Je suis à la plage de Talloir, donc on est à Talloir, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Avec beaucoup, beaucoup de... un très mauvais temps, voilà, on va dire. Il fait 15 degrés, il fait pas très froid, mais avec le vent qu'il y a, c'est vrai qu'il vaut mieux s'habiller. Et en face de nous, on a les arbres qui encaissent un peu ce vent, pas très violent. Mais quand même, on n'est pas habitué sur les bords du lac d'Annecy de voir un temps pareil. Alors, je ne sais pas si l'image est bonne, si vous avez un bon son, parce qu'avec, j'ai bien pris un micro, avec une petite bonnette pour couper le vent, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de vent. Alors, je ne sais pas si le son est bien bon. Regardez un petit peu ce temps que nous avons ici aujourd'hui. Alors que le ciel n'est pas trop mal, il n'est pas, je ne sais pas, on ne va pas dire qu'il est grand bleu, mais assez dégagé, regardez. On a en face de nous le château de Douin, que tout le monde connaît, bien sûr, au lac d'Annecy, très très beau château. Petite commune de Douin qui est superbe. Un petit peu de neige encore sur les sommets, suffisamment haut. Il y a encore un tout petit peu de neige. En face de nous, le Semnos ici. Il n'est pas très haut, il y a encore quelques traces de neige sur le sommet du Semnos. Allez, je vais essayer de ne pas me faire mouiller, on va aller voir un petit peu... Voilà, je fais attention quand même où je mets les pieds. C'est vrai qu'on dirait que le lac va déborder. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est uniquement les vagues qui sont dues à ce vent assez important aujourd'hui. Le soleil est là pourtant. Hein, le soleil est au rendez-vous. Alors, on a Edwige qui nous dit bonjour de la Loire. Bonjour Edwige. Regardez. On a quelques... Bonjour tout le monde aussi. C'est Vaidi, je pense, qui nous dit bonjour. Regardez un petit peu. J'ai du mal à tenir la caméra. Le vent me fait tourner sur la caméra, sur le stabilisateur. On va aller voir un peu plus loin. Regardez si... Alors là, je fais quand même très attention parce que on n'a pas l'impression d'être au bord du lac d'Annecy, ce lac que l'on connaît toujours très très calme. Alors, est-ce qu'on peut me dire si le son est bon? Est-ce qu'il y a le son est bon? Parce que, avec le vent, j'essaye de faire au mieux. On a un bonjour de Maryse de la Belgique, Edwige, qui nous dit bonjour, qui nous dit magnifique. Bruno aussi, c'est magnifique. Regardez, c'est vrai que l'endroit est superbe. Ici, on est sur la plage de Talloir, la plage publique de Talloir. Et l'endroit est superbe. Alors là, franchement, personnellement, j'ai pas l'habitude non plus d'être très souvent sur les bords du lac d'Annecy. Mais regardez, les vagues que l'on a ici, c'est assez impressionnant. On n'a pas l'impression d'être au bord de ce petit lac qu'on a l'habitude de voir aussi calme. Alors tout le monde, voilà, maintenant c'est Marie, Lucie qui me dit c'est bon, le son est bon. Tout le monde m'entend bien, c'est formidable. Un coucou de la Lozère, voilà, c'est peut-être une amie de Lily. Eh bien, bonjour la Lozère, bonjour à Christian aussi, qui est en Haute-Garonne, Eric Favre, et nous y allons en camping fin avril. Bon, le vent sera tombé d'ici là, vous inquiétez pas. Regardez, mais c'est assez impressionnant, on n'a pas l'impression d'être sur les bords du... J'allais dire le Léman, ce Léman, il arrive qu'il y ait des vagues assez importantes.
Alors, c'est vrai que les gens qui sont en bord de mer, surtout en bord de l'Atlantique, ça doit les faire sourire parce que pour eux, ils pourraient presque dire que c'est une mer calme. Mais pour le lac d'Annecy, c'est vraiment étonnant de voir toutes ces vagues. Allez, on va se promener un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques enfants dans le parc là-haut. J'approche pas trop. Alors j'ai Marie-Pierre qui dit bonjour. Marie-Vonne de Bretagne. Bah oui. Alors, elle adore notre lac. Oui, alors en Bretagne, vous êtes habitué à voir ce genre de vagues beaucoup plus importantes. Hein. C'est ce que je disais pour les Bretons, pour les gens sur le bord de l'Atlantique. Les vagues que nous avons ici, ça doit les faire sourire. Mais au bord du lac d'Annecy, on n'a pas l'habitude. Voilà, maintenant, qui est-ce qui est Pauline qui dit que de toute beauté, vous avez meilleur temps que chez nous en Pays Basque. Ah, donc il ne fait pas très bon là-bas. Clébert qui nous dit, le son est bon. Le camping municipal va ouvrir fin mars, nous dit Bruno. Donc le camping, j'imagine qu'il est par là autour. Peut-être la joie qu'il y a beaucoup de bateaux. Je fais attention où je vais marcher. C'est vrai que regardez un petit peu les vagues qui viennent jusqu'ici. Et pourtant, l'endroit est magnifique. Regardez avec toutes ces montagnes qui entourent ce lac d'Annecy. On dirait que ce lac est posé dans un écrin de verdure. Très, très beau. Alors, il y a vent aussi dans les Bauges. Ben oui, Eric, mais les Bauges, c'est juste là derrière. Hein. C'est pas très loin. Regardez, là, vous passez cette montagne et vous êtes à Bellecombe en Bauges tout de suite. Regardez, alors on a Raymond aussi qui dit bonjour à vous tous. Et on a un bonjour de Kabylie, nous dit Nini. Alors essayez de voir là, mais c'est partout pareil. Alors, regardez au pied de cette falaise, tout le monde, les gens qui connaissent le lac d'Annecy connaissent cette jolie falaise que nous avons là en face, hein, qui est la falaise de Taloir. Ah oui, c'est vraiment curieux la façon. D'ailleurs, il y a le phare qui est toujours éclairé. Alors, je ne sais pas si c'est pour expliquer qu'on arrive près des côtes. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'embarcations aujourd'hui sur le lac. Hein. Le paddle aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ramer. Il devrait avancer assez rapidement. On a un bonjour de la Réunion, Jean-Marc. On a Zaza qui nous dit bonjour de Lorraine. Nous montons à la Léchère. Et on passe tous les ans. Mais écoutez, venez un petit peu. Alors, Léchère, c'est très très beau, bien sûr. C'est dans la vallée de Tarentaise. Et on a l'île magnifique, Clac, bonjour, de Moutier. Alors, Moutier, on y est très très souvent. La place du village, j'y serai encore d'ailleurs, je crois, en fin de semaine ou dans la semaine prochaine. On est très souvent là-bas. Il faut nous faire un petit coucou. Voilà, et bien, on a Farisa. C'est Farisa qui dit bonjour, bonne journée. Un bonjour de Sydney, Laurent. Pour l'instant, c'est lui qui est le plus loin. Et un bonjour de la région de Château-Thierry. Un peu la région parisienne encore, un tout petit peu là-bas. Voilà, regardez, on a ce beau château en face de nous, le magnifique château. Alors, c'est vraiment impressionnant, ces vagues sur le lac d'Annecy aujourd'hui. C'est pas courant de le voir, c'est pour ça que je voulais faire profiter quand même de ces images. On a Annie qui nous dit bonjour d'Albertville, où ben, j'étais tout à l'heure. On était à Albertville. On a un bonjour de la Belgique, de Marseille, beaucoup des Yvelines. On a beaucoup, beaucoup de monde qui nous suit. Attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Parce que j'ai pas les shorts, parce qu'il fait trop froid. Et là, je risque de me faire tremper. Voilà, regardez le lac d'Annecy tel qu'on n'a pas l'habitude de le voir. C'est assez fou. Très belle vague qui arrive. Ça passe par-dessus les pontons. C'est rare, hein, c'est très rare qu'à Annecy, le lac d'Annecy soit comme ça. Enfin, moi, le peu que je connaisse du lac d'Annecy, je pense qu'il n'est pas souvent comme ça. On a Alain Jorian qui nous dit bonjour. On a Bruno, vous êtes en camping-car ou pas? Non, je suis à pied et en voiture, bien sûr. Bonjour de l'Aude en Champagne. Et bonjour, disons. Allez, on va avancer. Là, on a un très beau saut à cèdre, ceci, qui est magnifique. Il est très, très beau. Allez. Voilà, on est un petit peu sur les bords du lac d'Annecy. On vient profiter un petit peu de cette journée très venteuse.
pas très froid, 15 degrés, donc ça va. On est à 450 mètres d'altitude, donc on n'est pas très haut. On n'est pas très haut du tout. Alors, on a un bonjour Marie-Pierre des Hauts-de-France et Françoise, bonjour, du Gers. Beaucoup, beaucoup de monde hein, qui suit la place Village, c'est très gentil à vous. Alors, je vais aller voir là-bas, je vais essayer de vous faire... Regarde un petit peu, le vent est en train de pousser un peu. Ça va me faire partir, la caméra va être arrachée dans un moment. Elle est sur le stabilisateur, mais c'est assez fou. Le vent qu'il y a ici, on a du mal à imaginer le lac d'Annecy. Regardez, on est en dessous des dents de l'enfant. Voilà, regardez un petit peu, elles sont là, les dents de l'enfant, pour les gens qui connaissent bien le secteur. On a la tournette là-bas aussi, au fond. On ne la voit pas ici, là derrière. Voilà, l'endroit est superbe. C'est vrai que c'est très agréable ici l'été de venir se baigner puisqu'on est sur une plage. Alors, on a bonjour de Beaumont, de Lorraine, c'est Brigitte. Allez, et Sylvie qui dit des bonjours du Gard où il pleut dans le Gard. Eh bien nous, non, on a un peu de... On va dire qu'il fasse un temps extraordinaire puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Regardez un petit peu ici les vagues qui arrivent. Vraiment un vent, c'est très curieux, très très curieux là, c'est de voir ce lac d'Annecy qui d'habitude est paisible. Voilà, et là il y a un petit peu, il y a une bise hein, qui souffle ce matin. Alors on a un bonjour de Belgique, on a bonjour l'île de la Réunion, on a beaucoup de monde qui suit, c'est très très gentil à vous. On a encore la Bretagne, c'est Christian. J'ai du mal à Champlain, soleil. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il suffit que je me mette dessous pour qu'on puisse à nouveau pas lire les messages. D'Entremont. Ah bah c'est pas très loin d'ici. Allez, bonjour, merci quand même à tous. Hein. Je ne peux pas lire tous les messages, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Je ne peux pas tous les lire, c'est dommage. Un petit peu ce son. On va laisser d'aller se mettre un peu plus près sans se faire mouiller. Je vais aller sur le ponton, s'il tient bien, je pense qu'il est bien fixé. Hop là, je recule parce que là, effectivement, c'est assez violent. Violent pour le lac d'Annecy, on est bien d'accord. Voilà, c'est en train de ramasser toutes les... ce qui traînait sur le lac. Ça... Hop là, je vais reculer un peu quand même parce que je vais me faire mouiller. Alors Montpellier, allez, ma belle Savoie, c'est Chantal, on a ville de cœur, Brigitte, on a beaucoup, beaucoup de monde qui suit, je ne peux pas lire tous les messages, beaucoup trop de messages, c'est très gentil à vous. Regardez un petit peu ce lac comme il est déchaîné aujourd'hui, et le soleil est là, hein, on a le soleil sur le lac, l'endroit est magnifique, on est sur un taloir exactement, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord, un endroit superbe, regardez ça. Une de ces communes qui se trouve autour du lac d'Annecy, là que l'on peut faire le tour quasiment complet en piste cyclable. Alors, on a Viviane qui dit merci, David, Jean-Marc. Ah, c'est pas le jour pour se baigner dans le lac. Hein. Ou alors, il faut rester attaché à la rive. Alors, son toujours bon, image aussi, Josiane, merci beaucoup. On a aussi Alain qui dit vive la Savoie. Mais oui, mais alors aujourd'hui, la Savoie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Je suis bien habillé, j'ai la casquette bien enfoncée sur la tête. J'ai l'impression qu'elle va s'envoler. On a un bonjour de Normandie. Voilà, donc on est dans une maison de travaux ici, mais je pense qu'elles font des travaux pour cet été. Regardez, le ciel est très beau hein, ici. Il y a quelques nuages, mais beaucoup, beaucoup de vent. Beaucoup de vent ici à Taloir. Alors, Corinne, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai beaucoup, beaucoup de messages. Je ne peux pas lire tous les messages, malheureusement. C'est dommage. J'aime bien répondre aux gens qui nous posent des questions. Mais là, déjà, je fais attention, je mets les pieds. Voilà, attends, c'est clair. Voilà.
Alors je suis en train de chercher en même temps, je vois quelqu'un, il y a toujours des gens qui font attention à rien, qui laissent des bouteilles en plastique. Et cette bouteille en plastique, vous voyez, elle est fort probable qu'elle parte dans le lac. Il y a des gens qui ne respectent rien. Donc dès que j'aurai terminé le direct, eh bien je ramasserai cette bouteille. J'irai la mettre dans une poubelle par là autour, parce que c'est cette notature, on doit la respecter. On est content de voir des belles images, on est content de se promener dans les pâturages, on est content de se promener dans la nature, hein, les arbres sont magnifiques. Tout est beau dans la nature et des gens ne respectent pas, laissent les bouteilles en terre, leurs casse-côtes, etc. Mais c'est comme ça. Allez, Provençal, là, Bernard, qu'est-ce qu'on a, Laurence. J'ai beaucoup de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. On a Bernadette qui nous dit bonjour de la Bâtie, je pense à Bâtie à côté d'Albertville, bien sûr, en Savoie. Nous ici, on est en Haute-Savoie. Alors regardez, en face de moi, là, juste au-dessus, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a une petite chapelle. Je vais essayer de vous la faire. Elle est juste là. Une jolie petite chapelle qui est là-haut, perchée sur le rocher. Et à côté, bien sûr, sur la gauche, les Dents de l'Enfant. Là, juste en face, on a encore de la neige. C'est vrai qu'au-dessus de 2000 mètres, on trouve facilement de la neige, même un peu plus bas, selon les secteurs. On a un grand bonjour de Kabylie. Exactement. Avec les mêmes montagnes en Kabylie. Il faudra qu'on aille un jour à la place du village, on se rende en Kabylie. Parce que c'est vrai que tout le monde nous en parle, tout le monde nous dit que c'est très très beau. Le lac agité est magnifique avec le reflet du soleil, Marie-Lou. Eh oui, c'est très très beau. Mais il est vraiment très agité aujourd'hui ce lac. On n'a pas l'habitude de voir le lac d'Annecy dans cet état. Et on a vraiment des vagues. Bon, ce n'est pas des gros creux, comme je dis, les gens qui sont en Bretagne, ça les fera sourire. Hein. Les gens qui sont le long de l'Atlantique, pour eux, ils pourraient presque dire que c'est calme. Mais pour nous, les Savoyards, lorsque l'on voit ces vagues, là, on a quoi, des creux peut-être, allez, maximum d'un mètre, et pour les plus grands, eh bien, c'est pas, on n'a pas l'habitude. Voilà, alors bonjour. Qui est-ce qui est chez moi? J'arrive pas à lire avec tous les... J'ai beaucoup de messages, c'est dommage, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et c'est vrai qu'au soleil, on a du mal à les lire. Attends, je vais essayer de faire différemment. On a des enfants qui sont là-bas, qui courent. Je vois beaucoup d'enfants qui courent. Je pense qu'il y a une... peut-être une chasse aux œufs ici. C'est possible. Et c'est vrai qu'ils ont raison d'amener les enfants dans ce lieu qui est superbe. On va retourner un petit peu sur l'autre côté de la plage. Alors comme je disais tout à l'heure, en face de nous, le château de Douin, la commune de Douin, cette magnifique commune, aussi des bords du lac, c'est que toutes les communes autour de ce lac d'Annecy sont toutes très très belles. Alors Jean-Henri d'Haute-Savoie, bonjour. Et Nathalie qui dit « Je les aime ces montagnes ». Bien sûr, nous aussi on aime beaucoup ces montagnes. Hop là, j'ai de l'eau qui sort devant moi. C'est vrai. Dès qu'il y a une petite aspérité dans le ponton, et bien ma foi, ça passe à travers. Allez, Claudie, bonjour de Bretagne. Alors, bonjour aussi de Jean-Michel qui est à Bellegarde. Et Noir qui nous dit « Vous serez les bienvenus en Kabylie ». Merci, c'est très très gentil. Très gentil, mais bien sûr, c'est avec plaisir qu'on irait un petit peu voir la Kabylie. On sait qu'il y a beaucoup de monde là-bas qui suit la place du village. Nat, magnifique que les gens laissent l'endroit propre. Eh oui, mais ben, je vais la ramasser cette bouteille. Je vois pas de poubelle vers moi, sinon ce serait fait déjà. Mais sinon, c'est une bouteille qui va partir dans le lac. Je la ramènerai, je la mettrai dans une poubelle, il y en aura dans le secteur quand même. Voilà, on a Anna Maria, magnifique, un grand bonjour de Budapest en Hongrie. Ça aussi, c'est des endroits que l'on aimerait visiter. Très très belle ville. J'ai des amis hongrois qui m'ont déjà demandé de venir parce que cette ville est superbe. Marie qui nous ça rappelle des souvenirs. Voilà, donc toujours en face de nous, le Semnos, on a là-bas là. Au fond, la Combe d'Ire. Là derrière nous, la Combe d'Ire et le massif des Bauges. Ce magnifique massif que l'on peut voir qui est entre Annecy, on va dire Annecy, Albertville,
Chambéry, Montmélian, Aix-les-Bains, vous savez, ce magnifique massif là, vous voyez, c'est vraiment curieux, on n'a pas l'habitude, hein, le lac d'Annecy, dans cet état. Voilà, je vais mettre fin à ce petit direct. On a Simone, qui est toujours fidèle, qui nous suit depuis la Dordogne, il y a la pluie en Dordogne. Merci Simone d'être si fidèle à la place du village. Et selon nous dit, c'est le paradis sur terre. Voilà, je vais terminer ce direct. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Très très bonne journée. Et puis il y a d'autres directs aujourd'hui qui seront sur la place du village. On a Annick. Voilà, beaucoup de monde. On a Maricia. Bonjour de Turquem. Ah, ça c'est là, l'Alsace. Et Nathalie. Alors, je ne vais pas répondre à tout le monde. Beaucoup trop de messages. Je vais mettre un terme à ce direct. Je rappelle, on est à Talloire, sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Merci à tous. Très, très bonne journée. À bientôt. Au revoir.